Oh non, c'est un peu trop funeste pour commencer un épisode, ça. On va prendre autre chose. Ouais, Strad. Bonjour à tous, on se retrouve pour un nouvel épisode de Let's Play. Et on va commencer par les petits aménagements que j'ai faits, mais j'en ai un à finir. Et oui, j'ai enfin rangé la salle des coffres. C'est tout propre, je vais pouvoir m'y retrouver. Oups. Il y a des tables de craft juste là, comme j'avais dit. Qu'est-ce qui me manque? De la raid, des repeaters. Le truc que j'avais jamais fait, c'est-à-dire le retour. Où est-ce que j'avais dit que je le ferais? Ici. Hop, 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 on grimpe ici, on grimpe ici. Ouais, repeater, juste question sécurité, même si c'est pas indispensable. Je rebouche un peu, c'est jamais. Puis j'ai trop de terre de toute façon, donc. Hop, il n'y a plus qu'à reboucher. Alors là, c'est un peu galère parce que il y a le fil de l'éclairage automatique qui est juste au-dessus qui passe à côté, donc j'ai dû un peu faire en sorte que ça fasse bien. Ah oui, un dernier truc que je voulais faire. Ouais, mais on le verra pas. C'est pas grave, je vais le faire quand même. Ouh. Je vais juste mettre de la glow là derrière. C'est pour... Hop. Avec les escaliers, la glow passe un peu à travers. Là, on le voit pas trop parce que les autres lumières sont proches. Mais c'est pas grave, je le mets quand même. Puis, je pense que ça se verrait normalement, mais c'est comme moi, je mets l'éclairage à fond, on va dire, pour que vous puissiez bien voir sur YouTube, parce que YouTube assombrit un peu ses vidéos. Ah, je pense que dans la map, normalement, ça devrait se voir. Voilà, donc, passage, il est terminé ici. Et il se referme pas. Mince. Qu'est-ce que j'ai raté? Oh bah oui. Forcément. Voilà, ça devrait marcher là. Toujours pas. Eh ben, difficile le début d'épisode, là. Voilà, c'est bon, ça remonte. Donc comme ça, on peut passer des deux côtés maintenant, c'est mieux. Et je vais pouvoir ranger tout mon matos. Alors, niveau rangement, donc ici, en bas à gauche, la redstone, tout ce qui est rail et tout ce qui est matos divers. En face, j'ai colorant, laine. Ici, c'est tout ce qui est matos divers aussi. Je ne sais pas trop comment classer. Tout ce qui est minerai, mais de bas niveau, on va dire. Minerai de haut niveau. Et puis les CD, d'autres trucs que je ne savais pas où classer. Là, j'ai mis des pancartes. Je ne les ai pas mis ailleurs parce qu'ici, de toute façon, j'ai pas la place. Et puis ici, ça faisait moche. Alors que là, au milieu, ça passe. Donc ici c'est le caillou brut standard, le caillou travaillé, encore du caillou brut autre, tout ce qui est sable, sandstone, tout ce qui est gravier, tout ce qui est terre, j'en ai déjà des tonnes donc je vais pas les mettre là. Tout ce qui est nether, ça on range au fur et à mesure, de la neige, autre, pour l'instant j'ai pas grand chose, mais les végétaux, le bois. Voilà, je m'emmerde à bien les classer, mais je crois que très rapidement, je vais plus les classer comme ça. Bois brut, j'en ai pas. Donc ça, on a dit végétaux. Qu'est-ce que j'ai oublié de ranger? Oui. Du charbon. Ça va... ça, non, en fait, ça va pas aller là. Je vais vous expliquer après. Le verre. Il m'en restait un rab. Et voilà, j'ai tout rangé. Donc ici... j'ai mis deux tables de craft pour les outils, hein, c'est ce que je voulais faire. J'ai recouvert... bon, maintenant que j'ai le générateur à sable, le verre, c'est plus trop un problème. Donc j'ai recouvert ici la salle pour qu'elle ait un toit, et il manque encore l'accès derrière pour recharger le dispenser puis couvrir toute cette zone là. Donc je le ferai à une autre occasion. Qu'est-ce que j'ai oublié comme coffre? Ouais, ici mes enderperles pour voyager. Il manque une poubelle en fait. Ici, en réfléchissant, je sais pas trop où je pourrais la faire. Je verrai, je verrai. Donc les enderperles, la bouffe, ce qui est animal, là c'est pareil, je savais pas trop quoi mettre. Et de l'autre côté on a les armes et les outils, enfin et les outils bas niveau, pareil, tous les outils standards, et tout ce qui est armure. Donc, évidemment c'est pas très rempli encore. Il me reste deux coffres ici que j'ai laissés. Il faut que je me fasse une petite chambre pour le lit. C'est tout ce qui est potion en fait. Potion terminée et ingrédients. Il y a des yeux d'araignée parce que j'ai rempli le dispenser en bas. Mais il faudra que à terme je rajoute ici en fait, ou plutôt ici, une salle avec toutes les potions ainsi que un endroit où stocker les ingrédients qu'on a en plus, parce que là-dedans j'ai que un dispenser. Par truc. Voilà. Ah merde, je suis encore en peaceful moi. Donc de toute façon ici c'est les slime balls, vous connaissez tous. Voilà, voilà pour le changement ici. Et j'ai rajouté un étage au-dessus, comme c'est ce qui était arrivé à la majorité la dernière fois, de faire plutôt un autre étage. Effectivement, c'était une meilleure idée. Comme ça, je laisse les salles des donateurs avec juste le cercle. Du coup, Harry est tout seul pour l'instant ici. Donc voilà, rajouter un autre étage et de l'extérieur, ça fait plus sympa. C'est un peu plus long à descendre du coup, mais c'est pas grave. Oups, je descends trop bas moi. Bon, c'est pas grave, on va passer par en bas. Que je me retrouve dans cette maison. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va faire? Aujourd'hui, on va faire... Qu'est-ce que je voulais faire déjà? Oui, une usine à poulets pour avoir de la bonne nourriture, de la nourriture... parce que les pastèques, c'est bien, mais ça se vide très vite. Je m'en suis rendu compte en faisant des niveaux d'XP sur l'Enderferme, c'est que taper les mobs, ça consomme beaucoup de nourriture, donc... on vide vite le stock de pastèques, donc du coup du poulet c'est beaucoup plus nourrissant. Coucou Creeper. Il manque l'éclairage quelque part ici puisqu'il a spawné ici. Hop. Voilà, et de l'extérieur ça donne ça. Je changerai peut-être le cercle de neige, je sais pas trop encore. Donc la question, il faut que je réfléchisse, j'ai pas encore réfléchi, c'est où est-ce que je vais construire cette usine à poulets. Le souci c'est que on l'entend beaucoup, les poulets ça fait beaucoup de bruit, donc je veux pas être trop près de la maison, donc je pense qu'en fait je vais continuer au-delà de la salle des potions, un tout petit peu, et je vais le faire à côté, puisque ici j'y viens pas non plus des mille et des cents, donc je vais creuser un peu, et puis avec ma super pioche, ça devrait être rapide. Et dès que j'ai préparé le terrain, bah, on se retrouve. Alors juste avant de continuer dans la map survival, je fais un petit tour en créatif pour vous montrer quelque chose. Donc comme j'avais dit dans mon dernier épisode, je voulais faire une usine à poulets pour faire cuire automatiquement les poulets, etc. Et juste après au même moment que j'ai sorti mon épisode de LP, GenerikB a fait une ferme à poulets qui est plutôt pas mal. Donc au lieu de tout recommencer à zéro, je me suis inspiré en partie de son modèle que j'ai changé un petit peu pour plusieurs raisons. Alors d'abord je vais vous montrer comment marche son modèle. Donc on se positionne ici, on tire des œufs normaux, hein. Là-haut ça fait naître des petits poulets qui descendent ici, dans un conteneur où c'est censé attendre qu'ils grandissent. Une fois qu'ils grandissent, ils vont pouvoir pondre des œufs. Donc en pondant un œuf, ce qui se passe, c'est que ça s'ouvre et ils sont décalés à côté. Quand l'œuf despawn ou qu'on le récupère, il tombe dans ce conteneur. Voilà, il pas censé. Ils tombent dans ces containers et ensuite, en activant le mécanisme, ils vont être cuits en bas. Voilà. Et hop, une fois qu'on relâche, on a le poulet qui vient à nous. Donc c'est plutôt pratique comme système. Malgré ça, il a quelques défauts. C'est pour ça que je l'ai modifié. Premier défaut, c'est que cette partie-là, pour moi, elle est complètement inutile, puisque si on balance des poulets, autant qu'ils arrivent directement dans le container, et on peut voir directement s'ils ont grandi ou pas. Tant qu'ils n'ont pas grandi, on les fait pas cuire, point barre. Donc cette partie-là, j'en vois pas trop l'utilité. De plus, elle pose le souci que si on met beaucoup de poulets, et qu'on active le mécanisme ici, si j'y arrive... Vous voyez, les poulets n'arrivent pas à tous tomber, ils sont pas tous dirigés vers le courant parce qu'il y a trop d'entités. Et si je récupère le bloc pour fermer le passage, et ben il y en a beaucoup qui vont mourir d'étouffement et ils vont pas tous passer en plus. Ce qui pose un souci. Deuxième chose, au moment où on va les mettre à cuire, il y en a qui risquent de se bloquer dans ce piston-là qui va s'étendre. Avec un peu de chance... Alors là, malheureusement, il n'y en a aucun qui s'est accroché, mais certains restent bloqués dans le piston. Donc du coup, on se retrouve avec des poulets qui restent bloqués au milieu du mécanisme, ce qui est un autre souci. Troisième chose, c'est qu'il faut activer, désactiver le levier, en fait. Alors que moi, je voudrais faire ça simplement avec un bouton. Et en fait, dernière chose, il y a un problème si on spam, c'est que, voilà, la lave descend... et va bouffer la source d'eau, et la source d'eau va mourir. Donc du coup, j'ai modifié légèrement son système, pour faire un truc plus simple et qui correspondait plus à ce que je voulais faire. Le seul petit défaut de mon système par rapport au sien, c'est que ça utilise plus de redstone, hein, plus de repeaters. Maintenant, bon, voilà, c'est... Je n'en utilise pas non plus des masses de plus, mais quand même un petit peu plus. Je passe dans l'autre monde et je vous montre ça. Voilà, donc ça c'est mon modèle. Alors, qu'est-ce qui change? C'est beaucoup plus petit déjà. Quand je fais spawner des poulets, ils sont directement dirigés vers le container ici. Donc il n'y a plus l'étape de bébé poulet, etc. Comme dans le modèle de GenerikB. Et ensuite, on a juste à appuyer un coup. Ça les cuit. Et à la fin, ça relâche pour pouvoir les récupérer directement. Donc on a juste un clic à faire. En revanche, si on... Je vais voir si ça marche en spammant. Mais je pense que oui. Ah, mince. Voilà. C'est ce qui va se passer. Y a toujours le risque de spammer et ça forme un bloc. Ceci dit, il suffit juste de casser le bloc et la source se recrée, donc c'est moins un souci. Par contre, niveau redstone, comme vous pouvez le voir, il y en a un petit peu plus. Il y a plus de repeaters. C'est surtout ça la différence. Il y a cette grosse boucle-là en plus. Ici, ça correspond exactement à la boucle que GenerikB a fait pour le cooker. C'est le temps d'attente de ce piston là, juste pour qu'une petite lame de lave passe. Donc là c'est pareil, en revanche j'ai ce délai là en plus et surtout celui là, donc ça rajoute 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, ouais une vingtaine de repeaters en plus. Je sais que ça représente un petit peu de redstone, mais je trouve ce modèle plus pratique pour ce que je veux en faire. Donc c'est ça que je vais construire sur le LP, donc on se retrouve tout de suite... dans mon monde. Donc j'ai continué de creuser et donc la ferme à poulet sera ici. J'ai creusé tout ce qu'il faut normalement, j'ai fait gaffe de ne pas avoir souci d'interférence avec le circuit ici. Donc je vais tout construire ici, je vais construire la façade déjà. Les pistons, je pense que c'est le moins important, mais je pense que ouais, limite je peux le construire avec vous, je construirai le circuit en tout cas avec vous. Et cette partie-là, j'hésite encore, je vais sûrement faire un mur comme ce qu'on a l'habitude de faire, mais j'hésite à mettre de la glace, enfin des vitres, pardon, pour qu'on puisse voir le circuit derrière, ce sera peut-être plus sympa. Ça on verra après, c'est de la déco. Donc je vais chercher tous les éléments, je vais construire les premières étapes, et puis on se retrouve juste après. faisait longtemps que je n'avais pas tué quelques-uns. Donc, eh ben, on va construire cette usine à poulet ensemble. Donc, je vais récupérer tout le matos qu'il me faut. Et on va pouvoir faire ça tranquillement. Ça ressemble à quelque chose comme ça, ouais. Donc il y a deux indicateurs lumineux, c'était pas nécessaire de faire les deux. J'en ai un qui se déclenche, bon, c'est quand j'ai appelé ça remplissage du four, et l'autre c'est four en marche, et quand celui-ci s'éteint c'est que c'est bon, c'est cuit. On va commencer par la tour en elle-même. Donc, et malheureusement il manque un petit seau d'eau pour faire une source infinie, donc je vais aller en chercher. Hop. Je sais pas pourquoi j'ai pris 3 seaux d'ailleurs, c'était pas nécessaire. Ah ouais, c'est vrai qu'elle tombe pas ici, faudrait que je remplisse ici. Ça serait plus pratique également. J'ai récupéré ça au passage, j'ai des poulpes qui spawnent dans le... dans l'ascenseur à eau du milieu de la maison, je sais pas trop pourquoi. Je croyais que ça avait été fixé, mais apparemment non. Hop. Ah, qu'est-ce que je fais moi? Heureusement, il n'y a pas de redstone, il n'y a pas de torche. Du coup, aucun risque. Alors je vais en mettre un là-bas, un ici. Et logiquement, voilà, source infinie ici. Bon à savoir. Et source infinie ici, comme ça on est tranquille. Donc, au niveau des pistons... Ah, j'ai encore oublié un truc, décidément. Je vais faire des allers-retours pour rien. Toujours avoir du bois sur soi pour pouvoir faire des tables de craft, c'est quand même plus pratique. Je vais en prendre et puis tant qu'à faire je vais crafter ici. Il manquait juste une demi-dalle. Alors pourquoi des demi-dalles? C'est une particularité pour la lame de lave, pour qu'elle s'arrête pile au bon moment. J'ai remarqué ça, quand on le remplace par autre chose, alors on peut faire d'une autre façon, mais il faut jouer sur les délais. Mais le plus simple, ça reste d'utiliser une demi-dalle. Donc pour ça, une demi-dalle ici, avec un sticky qui collera. Donc quand il va se déployer, ça va permettre de couper le flux d'eau, et la lame de lave va tomber, va les faire cuire, ensuite ça va se rétracter, et l'eau va continuer. Donc voilà, on a l'eau. Hop. Évidemment, j'ai fait des bêtises. Ça fait popper les boutons, ça je savais pas. Bon, je mets une plaque de pression en bois, je mettrai plutôt en pierre, ça sera plus joli après. Donc voilà, ça c'est ce qui nous ramènera le poulet. Ensuite, au-dessus de ça... J'y arrive. On a ça qui va nous maintenir la lave. Donc on a la lave qui va être juste derrière, comme ça. Ici, on peut monter en hauteur. Alors, je vais faire une tour, en fait. Je vais pas mettre de verre ici, si jamais je suis coincé. Mais je fais le contour pour... Comment expliquer ça? Normalement, pour faire une tour, on a besoin de mettre juste un bloc ici, un bloc ici, un bloc ici. Pas besoin de mettre les diagonales, là. Je les mets parce que s'il y a jamais il y a trop de poulets dans la machine, ils sont susceptibles de traverser les blocs. Et en mettant un tour comme ça, ça les contient plus facilement. Donc, voilà. Là, il y a juste besoin de ça. Il n'y a pas besoin de celui-là, pas besoin de celui-là, pas besoin de celui-là. évidemment. Moi, je vais monter. Ah non, c'est bon, j'ai un peu un escalier ici. On va mettre des sécurités pour l'instant. On alimente celui-ci et celui-ci. Comme ça, ça retient la lave. Voilà, la lave est positionnée ici. Et enfin, au-dessus, j'ai besoin de mettre ma petite lame d'eau avec le piston qui la retient. Donc on remonte aussi le container de tous les côtés, faut pas que je tombe. J'ai bien fait de prendre du bois, je vais en avoir besoin pour faire un panneau, pour maintenir l'eau, pour pas qu'elle tombe vers le bas. Donc le panneau, il maintient l'eau ici, puisqu'en dessous, là, on a la lave qui passe, donc faut pas faire de bêtises. Et là, je vais utiliser un sticky piston, pas un piston normal. C'est uniquement en fait pour que les poulets ne se bloquent pas dans le piston. Ils peuvent rester coincés, hein, parce qu'un piston, quand il est tendu, la partie étendue, il y a des entités qui peuvent rentrer dedans. C'est pas un bloc entier. Donc utiliser un sticky, c'est pour éviter que quand le piston est étendu, les poulets restent coincés dedans. C'est le problème que je vous avais montré dans le modèle de GenerikB. Bon, alors j'utilise du verre, c'est juste pour si jamais il y a des poulets qui viennent ici et qui s'étouffent pas. Mais sinon ça n'a pas plus d'importance que ça. Vous pouvez utiliser des blocs entiers, bon ils risquent juste de suffoquer. Évidemment je fais ça pas bien. On peut commencer à boucher ici. Là je monte, donc je peux mettre ma source d'eau. Aucun problème. Et il reste plus que la partie au-dessus, à savoir là où les... C'est là qu'il faut pas que je me loupe. Je crois qu'il faut que je monte de 2 encore. Voilà, comme ça. Donc c'est la zone où on lancera les œufs pour que les poulets naissent. Voilà, comme ça. Et puis couvrir le toit, mais j'ai pas assez de blocs, et merde, tant pis. Je vais couvrir ici, ici, comme ça, du verre, et donc on les lancera ici, hein, vraiment directement au-dessus. Non, je crois que j'ai juste assez pour finir. Je remodèlerai après comme il faut. Je pense que je vais juste mettre là quand même un bloc. Il faut refaire une pancarte pour maintenir l'eau. Cette pancarte, elle va être située ici. Et voilà, c'est ce que je pensais, j'allais tomber dessus. Donc j'ai plus que le courant à mettre. Je vais chercher les blocs, je reviens quand j'ai tout ce qu'il me faut. Donc la fin, il faut que je remonte là-haut pour ce qui manquait. Après normalement on ne devrait plus trop avoir besoin d'y aller. Là pour le coup on peut tout fermer, j'aurais pu prendre de la glo. Mais c'est pas nécessaire. La source d'eau, et voilà, ça coule ici, ça va faire tomber les poulets directement dans le container en dessous. Je mettrai peut-être de la glo, tiens. En attendant, on va boucher, hop, et je vais descendre, et on va pouvoir s'attaquer au circuit. Donc pour le circuit, il y a 3 pistons à contrôler, celui-ci, celui-ci, et celui qui est, on le voit pas, hein. Il est juste derrière ce bloc là, c'est celui-ci, pour la lave. Donc la première chose à faire, c'est la latch. Donc le système va utiliser 2 mémoires. La première mémoire, quand on va appuyer sur le bouton, la mémoire va... Enfin c'est un mémoire, c'est un... Oui, je sais plus comment ça s'appelle comme porte. Mais c'est une sorte de pulse extender, on va dire. Donc quand la mémoire va s'activer en appuyant sur le bouton, ça va d'une part pousser le piston là-haut pour qu'ici il n'y a plus d'eau, pour que les poulets tombent. D'autre part, pousser le piston en bas pour que les poulets soient maintenus via cette demi-dalle. Et activer la lame de lave. Alors il faut activer la lame de lave avec un petit délai pour que le temps que les poulets descendent tout en bas. Une fois qu'ils sont en bas, on active. Donc on désactive ce piston, on désalimente ce piston, et au bout d'un certain moment, il faut réalimenter le piston pour qu'il y ait juste une petite lame de lave qui passe. Et pour cela, on va faire un délai qui va réinitialiser la mémoire. En fait, c'est une mémoire qui se réinitialise d'elle-même. Et de l'autre côté, j'aurai une autre mémoire pour cette partie en bas, c'est-à-dire que dès qu'on appuie sur le bouton, ça active la mémoire, le piston s'étend, et après un assez long délai, un délai plus long que pour la lame de lave, le piston va se rétracter pour que les poulets viennent à nous. Et il faut qu'on ait un délai plus long par rapport à la lame de lave, puisqu'il faut le temps que les poulets cuisent. Donc pour ceci, je vais utiliser une mémoire un peu différente de ce que vous avez l'habitude de voir. Faut que je passe en dessous déjà. Donc ici on récupère le signal de notre bouton hein, qui est ici pour rappel. On le transmet à ce bloc là. Donc c'est une mémoire comme ceci. Vous les avez sûrement vus, Eto les utilise beaucoup. Ito, pardon. Mais c'est une autre façon de faire les mémoires qui sont un peu plus compactes, surtout quand on n'a pas de souci de hauteur, mais plutôt de largeur. Et donc, quand j'appuie sur le bouton, ça injecte du courant là-dedans. Alors, attendez, là, elle est dans un certain état, je vais la faire changer d'état. Mince. Oui, c'est bon. Donc, si j'injecte du courant là-dedans, ça va avoir pour effet d'éteindre cette torche, donc d'éteindre le courant là-haut, donc cette torche va s'allumer. Il suffit d'appuyer sur le bouton et en même temps la lampe va s'allumer. Et après pour désactiver la mémoire, la resetter, il suffit d'injecter du courant dans la barre au-dessus. En injectant du courant dans la barre au-dessus, ça éteint cette torche et de ce fait ça rallume cette torche. Tout simplement. Donc d'autre part, ici on va récupérer le signal en sortie et c'est là qu'on va faire un assez gros délai pour... c'est une boucle qui revient sur elle-même pour réinitialiser la mémoire en fait. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6... c'est vrai que j'ai un petit doute... faut que je regarde après mon circuit, mais je crois que j'ai un petit doute ici, ça risque de poser un souci. Je reviens, faut juste que je refasse un tour sur le design, j'ai un petit trou de mémoire. Donc oui, le petit truc que j'avais oublié, c'est là. Donc ça c'est notre boucle retour, c'est-à-dire que la mémoire, si vous voyez, je vais l'activer et au bout d'un certain délai, hop, elle se réinitialise. Et donc c'est ça qui permet en fait d'activer juste le temps qu'il faut le cooker là. Et pour ça on a besoin de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 repeaters, quasiment tous à full délai, celui-là un petit peu moins, bon ça c'est de l'expérimentation. Et ensuite, voilà, là il y a un petit truc, oups, téléphone. Donc, mon haut de la mémoire ici, je le transmets dans ce bloc-là, je récupère en sortie. Et ici, j'ai besoin de quelques repeaters. Ah mince. Voilà. Comme ceci, j'en ai besoin de 5 en tout. C'est pour ajouter un petit délai qui est... Ouais, c'est bon. Si je me trompe pas, c'est parce qu'il faut laisser le temps... Oui, voilà. Le délai qu'on a, c'est parce que... bon, je vais finir le circuit, je vous l'explique après. D'un autre côté, ici, on va... Voilà, pardon, monter, tout simplement. Donc le fil monte de ce côté aussi, et Là, on a... Je leur active juste un coup, c'est pour qu'ils redeviennent collants. Un inverseur. Donc, qu'est-ce qui va se passer quand je vais activer ma mémoire? J'ai la mémoire qui s'active, donc ici, c'est plus alimenté. Donc, comme ici, c'est plus alimenté, la torche s'allume. Ça, le piston s'étend, donc il n'y a plus d'eau, donc les poulets commencent à tomber. Et après un petit délai de 5 repeaters, j'ai ce piston-là qui se rétracte. Dans le même temps, j'ai ça qui tourne, qui va resetter la mémoire, et en resettant la mémoire, j'ai ça qui va se réétendre, donc l'eau qui va se réétendre, et le piston ici qui va se rétracter, donc juste de quoi laisser passer une toute petite lame de lave. Et on va regarder ça ensemble. Donc là où ça s'est étendu, les poulets tombent, et ça n'a pas fonctionné. Et oui, forcément, j'ai oublié d'enlever cette torche, elle était toujours allumée par défaut. Donc pour rappel, hein, ici, les repeaters alimentent ce bloc qui, du coup, alimente ce fil de redstone qui est sur ce bloc-là, adjacent au piston. Donc ce coup-ci, ça devrait bien marcher. Voilà, j'ai le piston qui se rétracte, la lave qui passe, et hop, vous voyez, il y a une toute petite lame de lave qui est passée, suffisant pour faire cuire les poulets. Et comme vous voyez, là-haut, entre hop, les poulets vont tomber, et quand ils tomberont, enfin, il y aura assez de temps pour qu'ils puissent être là quand le piston descend. Pourquoi ça? C'est pour éviter que des poulets se fassent intercepter par la lave au milieu. Enfin, vaut mieux qu'ils soient recouverts par la lave plutôt qu'interceptés, sinon ils crament directement. Donc voilà pour ça, ça je peux recouvrir. Et ensuite, on a notre mémoire de l'autre côté. Il ne faut pas que je me trompe de là où je la construis. C'est ici. Donc pareil, hein, même type de mémoire, avec fil au-dessus, toc. Et là c'est un peu plus tordu pour l'allumage. Hop. Vous allez voir par vous-même. Hein. Je vais vous expliquer, il faut que ça soit inversé. Donc là elle n'est pas dans le bon sens, ma mémoire. Ou hop. Voilà. Normalement, par défaut, son état, c'est comme ça. Et je me demande si j'ai bien pris... Ah oui, il manque un inverseur quelque part. Ici, je crois. Hop, je parle tout seul. Voilà, j'ai plus besoin de ce piston... non, l'investisseur n'est pas du bon côté, alors je vais vérifier après, excusez-moi. Je l'ai construit récemment, donc j'ai un petit doute. Donc là, la lumière est éteinte, et quand la mémoire sera activée... Ouais, donc je me suis bien trompé ici, hein, c'est pas ça. Hop, quand la mémoire sera activée, c'est-à-dire dans l'autre sens, comme ceci, la lumière sera allumée derrière. C'est pour ça que j'ai besoin d'un petit inverseur ici. Donc pour le piston d'en bas, j'ai pris trop, c'est ici qu'il faut que je prenne. Mince, c'est censé être inversé. Oh, alors j'ai inversé ma mémoire. Attendez, je revérifie, désolé. Oui, donc ce coup-ci, j'étais bien, j'étais inversé par rapport au statut de mon piston. Ici, c'est bien comme ça, donc par défaut, le piston est rétracté. Et quand on va mettre la mémoire à 1, cette lampe-là va s'allumer, le piston va s'étendre quand on cuira. Donc d'un autre côté, on récupère le courant ici, et que je dise pas de bêtises, ouais, il est transmis en hauteur, il faut que je le récupère via un repeater ici pour pas que ça interfère avec ce piston, ici on peut y aller fil de redstone, voilà c'est bon. Donc quand notre mémoire va être... Enfin, quand on va appuyer sur le bouton, le statut de la mémoire ici va changer. Ça va transmettre du courant ici, et ça va changer le statut de cette mémoire-là, qui va avoir pour effet d'un, d'allumer la lumière, et de deux, d'étendre le piston. Vous allez le voir maintenant. Voilà, hop. Et ensuite, on a la lame de lave qui arrive. Et la dernière étape qu'il va y avoir, c'est faire un auto-reset de la mémoire là-bas, pour qu'une fois que c'est cuit, ça puisse s'étendre. Il manque plus que ça, et pour ça on passe par ici, et il me faut ça, 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 Et il me faut crafter des repeaters. Mais j'ai tout ce qu'il faut sur moi, donc ça doit aller. Hop. Ouais, 19 repeaters, ça devrait suffire. J'inverse, mince. 13 repeaters, ça suffira. Et j'ai besoin de torches. Non, bah j'avais déjà des... Voilà. Et donc il faut un grand nombre de repeaters, malheureusement, pas trop le choix. Et à la fin, pour initialiser, là on va... Bon, pour initialiser la mémoire, donc comme là on l'a alimenté par au-dessus, il faut venir alimenter ce petit fil-là. C'est le seul moyen, enfin c'est alimenter ce petit fil-là ou éteindre cette torche-là. Ça revient au même, hein, puisque ici si on alimente, cette torche-là s'éteint. Donc pour cela, petite astuce... Je vais y aller avec des repeaters parce qu'il me fallait plus de délai. Tous ces repeaters sont full délai. Hein. Pop, 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 pop. Ne pas oublier des torches si jamais il y a des monstres qui spawnent. Et le courant est récupéré via un bloc au-dessus. Je sais pas pourquoi j'ai construit tout en stone brick, c'est l'habitude, mais c'était pas nécessaire derrière. C'est pas grave, c'est pas ça qui manque non plus. Là je vais laisser ouvert, comme ça j'aurai un accès. Et donc là c'est bon, du coup ma mémoire va se réinitialiser et je crois que tout est bon. Il fallait juste que je remonte là-haut pour de la glowstone, mais j'irai voir ça après. On va pouvoir checker ensemble. Donc 1 ça ferme là-haut, 2 la lame de lave. J'ai ce qu'il faut. Et une fois que ça sera cuit, hop, ça se rétracte. Et là on reteste en entier. Voilà, vous voyez c'est parfait. Et voilà, et donc bah, je vais finir vite fait la déco. Je pense que faut que je casse ça. Ouais, quelque chose comme ça. Pour que ce soit visible. Et puis je ramène des poulets et puis on va pouvoir commencer à tester ça. J'ai des œufs en espérant que les petits œufs me donnent au moins quelques poulets et puis ben, on teste le mécanisme. Et l'avantage de ce mécanisme-là, hein, j'ai dit que c'était un four à poulets, mais tant qu'on laisse les poulets là-haut et qu'on n'actionne pas, ils vont faire tomber des œufs et donc on va pouvoir venir récolter les œufs ici. Et c'est pour ça que j'ai prévu là pour mettre des coffres en fait. Donc je finis la déco et on se retrouve tout de suite après. C'est pas très concluant, je voulais faire un petit... pixel art de chicken, mais je suis trop limité en taille et il me faudrait 4 de large en fait pour que ça fasse bien. Et j'ai pas de symétrie donc ben, je crois que tant pis pour le... Dites-moi ce que vous en pensez, si vous aimez ou pas. J'ai le choix entre soit faire comme ça, mais soit faire sans. Mais je pense que je vais pas le laisser, bref. Si vraiment vous l'aimez, dites-le moi dans les commentaires. N'hésitez pas. Et évidemment, j'ai oublié de ramener la stone brick et la sandstone, donc je vais devoir aller la rechercher. Voilà, c'est tout bon. Donc j'ai continué l'aménagement. J'ai oublié le toit, mais c'est pas grave. Ici d'ailleurs, ça me plaît pas encore. Ici, de toute façon, il faudra que je fasse une salle, une sorte de salle des coffres pour les potions. Donc ça reste en suspens, mais en attendant, le couloir continue. Et voici l'usine à poulets. J'ai mis de la laine blanche, ça correspondait. Donc dites-moi si vous préférez plutôt le pixel art ou autre chose. Hein. Et puis je stockerai d'un côté les œufs. On va juste en mettre un. Et de l'autre côté le poulet. Et avec un peu d'espoir. Voilà. Ah mince, il a spawné. Il est mort. Ouais, ils sont pas censés mourir. Faut peut-être que je mette 2 de hauteur là-haut. Bon, je vais les modifier ça. Ce coup-ci, j'espère que c'est bon, parce qu'il me reste pas non plus des tonnes d'œufs. Donc j'ai rajouté 1 de hauteur là-haut. Ouais, c'est bon. Allez. Allez. Allez, le dernier espoir. Et ben non, donc faudra que j'aille rechercher des œufs. On verra ça la prochaine fois. J'irai en récolter un peu, mais normalement, lui, une fois qu'il aura grandi, il devrait me pondre des œufs qui vont tomber là, donc je pourrais les récupérer. Et quand j'aurai assez de poulets grands là-dedans, je pourrais les faire cuire. Mais en attendant, ne surtout pas le faire, parce que tout ce que ça fera, c'est le tuer. Voilà, et sur ce, je vais mettre fin à l'épisode maintenant. J'ai une question aussi importante à poser que j'ai oublié de poser avant et j'en profite dans mon LP puisque de toute façon c'est ce qui est le plus regardé. C'est pour ceux qui regardent, qui vont regarder ma nouvelle série Super Hostile, hein, donc les Tamir. Apparemment vous ne le saviez pas forcément, mais elle est en hardcore, hein, et là c'est pas moi qui l'ai modifiée, c'est pas comme Keizo Cavern où je l'avais passée en hardcore. Celle-là, elle est en hardcore de base. Donc, j'ai pas eu le choix. En revanche, comme elle est beaucoup plus difficile, enfin, elle est assez difficile hein, par rapport à, même à Keizo Cavern, de ce que j'ai commencé pour l'instant. Bon, pour l'instant, ça se passe bien. Ma question, c'est, pour que je puisse anticiper pour tourner, si jamais je meurs, malgré que je sois en hardcore, est-ce que vous voudriez que je continue? Alors je dis pas que je suis mort, hein, c'est pas ce que je dis, mais est-ce que ça vous gênerait que je continue ou pas? De toute façon, il y a toujours moyen, une map à hardcore, même quand on meurt, de pouvoir la récupérer en trichant un petit peu. Mais bon, voilà, c'est ma question avant que je vous la pose après. C'est comme je préfère tout tourner avant quasiment. Je préférais être sûr. Voilà, n'hésitez pas à me dire tout ça dans vos commentaires. Et puis sur ce, je vous donne rendez-vous à la prochaine pour le prochain épisode du LP qui sera déjà le numéro 30. Donc je ferai peut-être quelque chose de spécial. Quand je dis spécial, peut-être je referai la première partie sera peut-être un tour de mon monde avec des trucs qu'on n'a pas vu depuis longtemps. Donc ça pourrait être intéressant d'y retourner. Voilà, à la prochaine.